Rebonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ah, ça va mieux comme ça. Ravi de vous retrouver ici aux Courses-Salles de Besançon pour vivre ensemble la cérémonie de remise des prix de cette 58e finale du concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct toujours sur la chaîne YouTube du festival ou via la plateforme de France 3 Bourgogne Franche-Comté and live on Amadeus.tv for Chinese audience. If there is any English spoken people in the audience, I let you know that you can go and pick up a headphone to follow this award ceremony in English, in translation. The headphones are available and located in the entrance of the theater, just behind the doors. Alors ça y est, le jury a délibéré, on ne peut plus revenir en arrière maintenant, les candidats vont enfin savoir qui a triomphé de cette 58e édition du concours. Il y a de la tension parmi les finalistes, je les ai croisés dans l'entrée du théâtre et on les comprend, ils ont aussi vécu une semaine d'épreuves. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que cette finale, que le concours a commencé pour eux il y a des mois, parce qu'ils se sont inscrits, il y a eu les présélections, il y a eu les épreuves qui ont duré toute la semaine, donc pour eux c'est vraiment la fin d'un grand drame qui s'est écrit cette semaine. Le jury va délibérer, enfin a délibéré bien entendu sur plusieurs aspects, pas seulement cette finale, mais aussi sur la capacité à comprendre le drame de la musique, peut-être chez Mozart pour aujourd'hui, à déchiffrer en un temps très court une partition, c'était le cas avec la création d'Alexandros Markeas, à écouter l'orchestre, à faire travailler l'orchestre, il y a eu des séances de travail auxquelles le jury a pu assister également. Alors je voudrais appeler ce beau jury de la 58e édition à me rejoindre sur scène et je commence bien entendu par son président, le chef d'orchestre japonais Yutaka Sado, directeur musical de l'orchestre du Tonkünstler en Autriche, directeur artistique du Yogo Performing Arts Center et de son orchestre à Nishinomiya, chef principal du Siena Wind Orchestra à Tokyo et ancien lauréat lui-même du 39e concours de Besançon, c'était en 1989. On va accueillir également le chef d'orchestre autrichien Hans Graf, qui est professeur émérite de direction d'orchestre au Mozarteum de Salzbourg, directeur musical de l'orchestre symphonique de Singapour depuis la saison dernière et chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur chez nous en France. La Canadienne Juliette Kang, premier violon solo associé du Philadelphia Orchestra depuis 2005, passé aussi par l'Orchestre Symphonique de Boston et celui du Metropolitan Opera de New York. La Russe Yulia Kopilova, violon super solo à l'Orchestre Symphonique de Bâle, violon solo invité dans des orchestres tels que l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre Symphonique de Lucerne, la Camerata Salzbourg ou encore l'Orchestre de la Suisse Italienne. Le compositeur franco-grec Alexandros Markeas, compositeur en résidence au Festival de Besançon cette année et auteur de la création imposée au concours « Living Happily During the War ». Jean-François Verdier, directeur musical de l'orchestre Victor Hugo, mais aussi clarinettiste, super soliste à l'Opéra de Paris, professeur au Conservatoire supérieur de Paris. Et la chef franco-israélienne Déborah Waldman, directrice musicale de l'Orchestre National Avignon-Provence, première femme à la tête d'un orchestre national permanent français. Elle est aussi, depuis septembre 2022, chef associée à l'Opéra de Dijon, où elle dirigera d'ailleurs Tosca en 2024. Je voudrais saluer aussi, bien sûr, le directeur du festival et qui est aussi le directeur du concours, Jean-Michel Matté. Et avant de procéder à la remise des prix, eh bien, je voudrais appeler Myriam Grand-Motet, qui est la présidente de l'association du festival, à me rejoindre.
Nous y voilà, nous voilà au point d'orgue de ce concours, ce 58e concours. Alors, je vous rassure, je vais être brève, car le suspense est absolument intenable, déjà pour vous, mais également pour les candidats, vous l'imaginez. Je voudrais simplement ici remercier nos partenaires, car nous ne serions pas là sans eux. Je voudrais remercier l'État. Nous avons eu la présence, l'honneur de la présence du délégué à la musique auprès de la ministre de la Culture, M. Dominique Müller, qui a dû s'absenter, je crois. Donc c'est très important que l'État soit à nos côtés, bien entendu. Merci également à la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci au département du Doubs. Et merci à la ville de Besançon, qui nous assure son soutien depuis de très, très nombreuses années. Et je voudrais saluer ici la présence de Madame la maire, qui sans doute est aussi impatiente que vous, le public, et que tout le monde. Donc, je voudrais également, bien entendu, remercier tous nos partenaires privés. Je ne les citerai pas tous ici pour ne pas être trop longue, mais ils sont importants pour nous, vraiment. Hein, nous ne serions pas là sans eux. Et puis, j'en profite aussi de ce petit moment qui m'est donné pour remercier toutes les équipes du festival, l'équipe des permanents du festival qui font un travail extraordinaire, surtout ces années concours, c'est extrêmement compliqué et intense. Donc là, vous allez peut-être trouver qu'ils ont des petites mines, mais voilà, c'est pour vous, c'est pour nous tous. J'aimerais remercier... J'aimerais remercier également tous les techniciens. Vous les voyez courir dans les coulisses. Sans eux, nous ne serions absolument rien. Et enfin, un merci tout à fait particulier, puisque j'en ai fait partie pendant de longues années. Merci à tous les bénévoles. Et je laisse la parole pour la suite de la cérémonie. Merci Myriam Grand-Motet. Alors on va d'abord rappeler tout simplement le nom et puis rapidement la petite biographie du début de parcours des trois finalistes de cette 58e édition du concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, en commençant par Haïli, qui nous vient de Corée du Sud et qui a 32 ans. Haï Li, que j'invite à nous rejoindre.
Deuxième finaliste de cette 58e édition du concours, c'était le chinois de 25 ans, Chao Dong. Chao Dong. Et le troisième finaliste de cette 58e édition du concours, le français de 25 ans, Swan Van Rechem. Swan Van Rechem. Alors, on va décerner pour commencer le prix coup de cœur du public, le public qui a assisté à cette finale au Théâtre Le Doux cet après-midi à Besançon. Pour remettre ce prix, je vais appeler deux personnes, deux représentants
de l'un des grands, grands soutiens et d'un soutien fidèle du concours et du festival depuis plusieurs années, c'est la Caisse des dépôts. Je voudrais appeler son directeur territorial François Legnaud et Ludovica Marsili, responsable du programme musique au département mécénat. Bonsoir à tous. On ne va pas faire durer plus longtemps le suspense. En tout cas, Madame la maire, au nom de tous les Byzantins, quelle énergie, quel talent cet après-midi ici à Besançon. Et on est, voilà, je voulais vous dire qu'on était très très fiers, très honorés à la Caisse des dépôts de pouvoir accompagner et soutenir ce concours des jeunes chefs d'orchestre qui a une aura et un retentissement vraiment international et ce qui est très important pour notre ville. Je passe la parole à ma collègue Ludovica, qui est responsable du mécénat musical à la Caisse des dépôts. Merci beaucoup François. Je tenais à remercier déjà les équipes du festival pour leur engagement et de l'organisation du concours et dire juste deux mots sur le mécénat musical de la Caisse des dépôts et sur le fait qu'on est très fiers de soutenir ce concours. En effet, dans le prolongement du soutien au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, la Caisse des dépôts développe depuis plus de 30 ans une politique de mécénat musical pour permettre la diffusion de la musique partout en France. Et à ce titre, nous sommes très fiers aujourd'hui d'être ici comme mécène historique de ce concours qui est incontournable, prestigieux et qui permet au plus grand nombre la découverte des grands chefs d'orchestre dès demain. Nos actions de mécénat s'articulent en fait autour de l'émergence et des jeunes talents et de l'accès à la musique aux jeunes publics. Dans le premier axe, on soutient des ensembles émergents formés par de jeunes qui sortent de conservatoires et qui participent au dynamisme de nos territoires et également des structures de professionnalisation comme le concours. Et sur le deuxième axe, c'est-à-dire l'accès à la musique pour les jeunes publics, je repasse la parole à François pour vous illustrer une très belle exemple. Rapidement, voilà, ce qu'on fait ici à Besançon et en Franche-Comté, vous êtes un peu plus de, vous êtes 200 jeunes de moins de 26 ans à pouvoir avoir participé ici et écouter les talents des musiciens du festival de musique et du concours grâce aux places qu'on a pu vous offrir. Et je vous donne à tous rendez-vous pour la manifestation d'étudiants à l'opéra qui aura lieu au mois de janvier et pour lequel nous renouvellerons ce partenariat pour vous permettre et pour permettre au public le plus large, le plus jeune d'assister au spectacle extraordinaire qui se déroule ici à Besançon. On passe maintenant. À la remise du prix, mais c'est vous qui allez le décerner, ce coup de cœur du public, François et Ludovica. Donc normalement, j'ouvre l'enveloppe et Ludovica va lire que le lauréat du coup de cœur public est Swan Van Rechem. Swan Van Rechem, le Français de 25 ans, coup de cœur du public de cette finale du 58e concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Bravo Swan. Avant de passer à la suite des prix, je vais appeler le directeur du concours et le directeur du festival, Jean-Michel Mathé, parce que je pense qu'il est temps de remercier aussi tous les artistes qui ont participé au concours et puis de saluer tous les orchestres partenaires qui vont accueillir les lauréats. C'est ça aussi la spécificité de ce concours. Absolument. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des jurys pour cette magnifique semaine. J'y associe Jacques Mercier qui est venu nous rejoindre et qui a fait les sélections au mois d'avril-mai. C'était un très grand moment. Alors, ce festival... les lauréats du Grand Prix, lauréat du Grand Prix, va pouvoir être invité dans des orchestres partenaires qui sont présents. Ça fait partie, il n'y a pas seulement un prix en argent, il n'y a pas seulement de jolis cadeaux, mais avant tout, ils sont invités dans des saisons d'orchestre. Je voudrais saluer certains de nos partenaires, l'orchestre de Reutlingen, l'orchestre Padeloup, l'orchestre de Cannes, le Philharmonique Royal de Liège, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, l'orchestre de Bilbao, le Symphonia Varsovia, l'orchestre de la Suisse romande, l'orchestre Victor Hugo, l'orchestre Dijon-Bourgogne, l'orchestre national de France, l'orchestre de Bretagne, Metz Grand Est, l'orchestre de Francfort et les estivales de musique en Médoc. Voilà quelques-uns de ceux qui vont inviter dans les prochains mois et prochaines années le lauréat. Ensuite, je voudrais remercier l'ensemble des artistes qui se sont beaucoup donnés
Je crois qu'il y avait on tient à Besançon à maintenir un très haut niveau artistique pour offrir aux candidats un très bon niveau. Donc évidemment, il faudrait qu'on les applaudisse, l'orchestre Victor Hugo, l'orchestre Dijon-Bourgogne, l'orchestre national de l'Île-de-France, Natacha Kodoskaya, Diego Godois et Irina Kourchisla. Voilà, j'arrive jamais à dire son nom. La grande soprano, donc tous ces artistes qui ont permis d'avoir ce concours. Merci Jean-Michel. Alors, il est temps de découvrir maintenant le coup de cœur de l'orchestre, parce qu'après tout, les personnes qui sont peut-être les plus à même et les plus proches du chef d'orchestre, ce sont les musiciens d'orchestre. Alors, c'est le coup de cœur de l'Orchestre National d'Île-de-France qui participait à cette finale. Pour remettre ce prix, j'appelle son directeur Pierre Brouchou et son premier violon solo, vous avez entendu cet après-midi, Anne-Estelle Médouze. Alors tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr le festival et le concours d'avoir fait confiance à l'Orchestre National d'Île-de-France. Merci. Et surtout aussi d'avoir favorisé la rencontre avec le maestro Yukata Sado pour ce mémorable concert jeudi dernier ici. Voilà, les musiciens sont sortis du concert médusé voilà, par la prestation du maestro. Donc merci encore. Merci à son directeur Jean-Michel Maté de nous avoir fait confiance. Je pense que vous avez pu apprécier le niveau extraordinaire de l'orchestre qui maintenant tient la dragée haute aux grandes phalanges nationales et internationales à la Philharmonie de Paris pratiquement chaque mois. L'orchestre a fait des progrès considérables ces dernières années et notamment accompagné par encouragé par sa violon solo qui est depuis 20 ans à l'orchestre et qui a accompagné cette progression. Je pense qu'on peut la féliciter. Non seulement l'Orchestre National d'Île-de-France est un orchestre d'excellent niveau, mais c'est aussi un orchestre qui est vraiment très impliqué. Je viens d'arriver à l'orchestre, j'ai pu échanger quelques mots avec chacun des musiciens. Et j'ai vraiment apprécié leur implication dans les actions de démocratisation et l'action territoriale de cet orchestre. Et on doit leur tirer leur chapeau pour tout ce qu'ils font. Ils ont vraiment compris les enjeux de démocratisation de la culture, notamment envers les jeunes générations. Et je pense qu'on peut les applaudir aussi pour ça. On va découvrir l'enveloppe. Donc l'orchestre a voté et je vais laisser Anne-Estelle annoncer le choix donc, des musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France. Swan Van Rechem. Merci beaucoup à l'Orchestre National d'Île-de-France, à leur deuxième prix donc pour Swan Van Rechem ce soir. On va maintenant passer au moment tant attendu, la révélation du nom du lauréat du grand prix de cette 58e édition du concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Je vous rappelle bien sûr qu'il est possible, il arrive, que le jury se réserve la possibilité de ne pas le décerner. On va le découvrir dans quelques instants, c'est un prix très... Ah mais attendez, je n'en sais rien, je rappelle simplement le règlement du concours. En plus, c'est un prix qui est quand même très important, c'est une dotation de 12 000 euros, il y a un accompagnement, une assistance de 3 mois du lauréat pour l'accompagner dans une stratégie de carrière, des concerts, comme Jean-Michel Maté l'a dit, avec des orchestres partenaires, une belle montre LIP aussi, qui est la manufacture byzantine historique, qu'on peut applaudir. Alors... Qui est et y a-t-il un lauréat 2023 du concours de Besançon? J'appelle pour cela le président du jury, Yutaka Sado.
is a really special moment. I am because 34 years ago I was here as the one of the finalists. C'est un moment particulièrement spécial pour moi puisqu'il y a 33 ans, j'étais ici, je faisais partie des finalistes de ce concours. And now I'm standing as a president of the jury with wonderful members. I'm really honored. Et c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que président de ce très beau jury. First of all, I would like to say thank you to all the staff and all volunteers, especially the Jean-Michel Maté. Wonderful organization, bravo. J'aimerais tout d'abord remercier vraiment l'ensemble du personnel, tous les bénévoles et tout particulièrement Jean-Michel Maté. And I'm really impressed. So many people came to the competition from the first round to final also now. And you are supporting for young conductors, cheering for young conductors. This is wonderful. J'ai été particulièrement impressionnée que vous veniez si nombreux, et ce dès le premier tour et jusqu'à la finale. Votre soutien pour nos jeunes chefs d'orchestre nous touche particulièrement. So now, oh, I'm very excited. So, the Grand Prix, Maestro Swan Van Rechem. Un petit mot peut-être. J'avais rien préparé, évidemment. Merci beaucoup pour tout ça. C'était une semaine très très éprouvante et on en arrive à oublier pourquoi on est ici. Puisqu'il y a tellement de choses de musique différentes. Et déjà, je veux remercier le public qui nous a beaucoup supportés. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est énorme de rentrer dans n'importe quel tour avec une salve d'applaudissements. Donc, déjà, merci à vous. Vraiment, les gens que je veux beaucoup remercier ici, c'est les bénévoles, parce qu'ils nous ont accompagnés pendant toute la semaine. Et c'est pareil, énorme d'arriver pour se changer, pour prendre son costume et d'avoir une face amie et de pouvoir dire deux, trois bêtises avant de rentrer sur scène. Enfin, moi, je me déstresse en disant des bêtises. Donc voilà, désolé pour eux qui ont dû supporter ça, mais merci à eux de l'avoir fait. Donc merci à eux. Pas la faire longue, encore deux choses à dire, désolé. La dernière chose, c'est que je veux remercier mes professeurs qui m'ont aidé pendant toute ma vie, donc Jean-Sébastien Béraud, Ariane Matiak, Anthony Hermous, Nicolas Pasquet et Karl Witschik. Sans eux, ce serait beaucoup plus compliqué de réussir à faire de la musique avec les meilleurs merveilleux orchestres qu'on a eus. Donc je veux vraiment les remercier.
Et pour terminer, et après, promis, j'arrête, le plus important, c'est que je veux remercier ceux qui sont venus voir aujourd'hui, c'est mes parents, ma mère, mon père, mon frère, ma belle-mère, mon beau-père, enfin, c'est une famille recomposée. Mais voilà, j'ai une famille incroyable qui est une famille musicienne, donc forcément ça aide beaucoup. Mais voilà, sans eux, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile, ou peut-être même impossible, puisqu'il faut bien faire quelque chose. Voilà. Bon, donc merci à eux. Bravo. Merci à eux aussi. Merci à eux. Alors, ce n'est pas terminé. Je vous rappelle encore le règlement du concours qui permet au jury, s'il le souhaite, de décerner aussi une mention spéciale du jury du concours. Eh bien, c'est le cas cette année et je vais appeler un des membres du jury qui est le compositeur Alexandros Markeas pour le remettre. Bonsoir, tout a été dit pour les bénévoles, pour la technique du festival. Merci encore, on a vécu un moment merveilleux dans la musique. Les jurys voulaient marquer aussi le coup par rapport à l'interprétation de la musique d'aujourd'hui, de la musique des compositeurs vivants. Vous avez remarqué que dans le festival, il y a une centaine de compositeurs qui sont joués, il y a 3-4 vivants, moi compris. Du coup, c'est un peu... et puis, voilà, moi, j'étais très ému de découvrir le travail de ces jeunes chefs. Vous imaginez que pour moi, c'est une émotion, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir sa pièce jouée 3 fois, 3 versions différentes. Et voilà, on a décidé de donner une mention spécifique pour l'interprétation, et c'est pas Swan. C'est Ciao Dong. Ciao Dong, mention spéciale de cette 58e édition du concours de Besançon. If you want to say some word. Yes, yes, of course. So first of all, thanks to all of the volunteers, staff, and jury, especially the audience that past days that you just with us and with me, I feel that I'm really confident that, and how to say, happiness to see the smile on your face, and that really give me confidence. And I think for me that I want to have more opportunity to exchange or share the culture and the ideals of music with the people, you know. And yes, it's an inaudible language of music, and I think that, like Beethoven write in the 9th symphony, that alles Menschen werden Brüder, wo dein Saft fügeweit. And I also want to say a sentence that music is not a job. Music is a mission. And if I'm a conductor, I have this mission and have my responsibility to share the music with people and to make this world be better. And lastly, thank you, thank you, thank you. And lastly, I want to thanks for my teachers, which is in Shanghai, in China, and
my parents, and all of my friends who trust me, and also my girlfriend. Yeah, she helped me a lot. She helps me a lot. So I really appreciate that your smile that makes me that trust myself. And I believe I will continue my journey. And like when I climb the mountain, I won't ask myself how high, what's the pit of the mountain. I just continue going, 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 and continue. Yes, thank you. Enjoy your life, enjoy our life. Thank you. Tout d'abord, j'aimerais moi aussi remercier les bénévoles, tout le personnel du concours et tout particulièrement le jury, mais aussi vous, le public, pour avoir passé ces jours avec nous, avec moi. Et vos sourires m'ont donné confiance en moi. Ils m'ont rendu heureux. Et pour moi, en fait, ce sont autant d'opportunités que je vais continuer à rechercher pour partager la culture et l'idéal de la musique avec tous ceux que nous connaissons autour de nous. Je pense que le langage de la musique va au-delà des mots. Et pour emprunter quelques mots à Beethoven dans la symphonie numéro 9, la 9e, la musique, c'est aussi ce qui fait de nous tous des frères. Et j'aimerais bien sûr, remercier mes professeurs à Shanghai, en Chine, mes parents, mes amis qui ont cru en moi, qui m'aident, ma petite amie qui m'aide beaucoup. Et encore une fois, vous dire que ce sont tous vos sourires qui me font croire en moi. Je vais continuer ce chemin et quand je gravirai les montagnes qui se présenteront à moi, je ne me demanderai pas quel est la hauteur du sommet, je continuerai. Je vais demander maintenant au directeur du festival et du concours, Jean-Michel Batté, de venir nous dire un petit mot de conclusion, peut-être. Absolument. Je crois que dans ce concours, oui, il y a un grand gagnant, il y a une mention spéciale, mais je crois que le niveau du concours était très haut cette année. Et je voudrais vraiment qu'on n'oublie pas, parce que ce n'est pas un perdant. Il a fait un parcours exceptionnel, c'était un magnifique candidat. Il faut vraiment qu'on fasse un grand applaudissement pour Hailey, s'il vous plaît. So you are a finalist of Besançon competition. It's very important. Vous êtes un finaliste et c'est déjà important. On va vous remettre quelques petits cadeaux. La fameuse montre LIP offerte par notre mécène des montres LIP for you and for you. On va vous offrir un petit souvenir et vous allez, of course. Bravo aux trois finalistes, à qui on souhaite évidemment à tous les trois une très très belle carrière. Merci à tous ceux qui ont œuvré à faire de ce festival et de ce concours encore une aventure merveilleuse cette année. Merci au public du Théâtre Le Doubs, de la Place Grandvelle, aux internautes qui ont suivi cette finale avec nous. Rendez-vous l'année prochaine pour un prochain festival. Rendez-vous dans 2 ans pour la 59e édition du concours. Thank you everybody for watching you. I wish you a very pleasant evening. Très bonne fin de soirée à tous. Vive Besançon et vive la musique!
Thank you.